Bonjour mes frères, comment allez-vous? Aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Waouh, extraordinaire! Yes, mes frères, ça c'est pas possible, c'est pas possible. C'est une vidéo que nous allons vous montrer, même des vidéos qui vont venir les images que vous allez voir. Oh, c'est pas réel, c'est pas réel. Une histoire hors du commun, mes frères et sœurs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous allez comprendre pourquoi nous vous disons ça tout de suite. Parce que ce que vous allez voir, mes frères et sœurs. Bon, attendez d'abord. Pour que cette vidéo soit au top du temps, mes frères et sœurs, abonnez-vous. Tout le monde doit s'abonner et cliquer sur j'aime. Si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur tout sur j'aime. Extraordinaire. Et si vous avez des choses à dire, vous voulez vous exprimer, parce que nous avons la possibilité de vous exprimer ici en vidéo. Regardez, nous sommes là tranquilles. Mais vous pouvez réagir dans la partie commentaire et tout nous dire sur votre ressenti, tout ce genre d'histoire. Ok. De quoi s'agit-il ici? Si vous avez bien regardé la vidéo précédente, vous ne pouvez plus nous poser cette question. Déjà dans la vidéo précédente, on vous a annoncé cette vidéo. La vidéo précédente parlait de poupée qui était, en fait, poupée sorcière. Une poupée qui faisait de la sorcellerie. C'était des 12, c'était un démon ou 12 000 démons, même une légion de démons qui se trouvaient carrément dans cette poupée qui fatiguait une fille. Cette histoire apparaîtra soit ici ou là, vous pouvez juste regardez cette vidéo et découvrez ce qu'on vous a raconté comme histoire, mais c'est assez hallucinant. Vous aurez vous-même à nous dire ce que vous en pensez. Et ici, nous avons dit que nous allons vous montrer des images, des vidéos, de ces genres d'histoires si on les avait retrouvées. Voilà. Là, nous venons de trouver même des choses qui vont même au-delà de ce qui est prévu. Vous serez épaté. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous serez même dépassé. Ok. Déjà, pour commencer, nous allons vous poser une question. Dites-moi, mes frères et sœurs. Dites-moi, croyez-vous qu'une poupée peut-elle réellement être possédée par un démon? Est-ce qu'une poupée peut-elle être réellement habitée par un esprit au point où cette poupée-là bouge toute seule ou pendant que vous êtes endormi ou vous avez le regard fixé vers un autre endroit? Comme ça. Pensez-vous que ces choses soient vraiment réelles? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas encore des choses inventées? Moi, franchement, quand j'ai regardé le dessin animé ou encore le film qu'on appelle Chiki la poupée, où on voyait une poupée qui tuait les gens juste avec un couteau, moi-même, je me suis posé des questions, je me suis attrapé la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? En ce moment même, on ne connaissait même pas tous ces genres de choses. On se disait même que c'était un film, mais ça faisait tellement peur. Suivez-nous. Vous allez voir des images, des vidéos, des choses hors du commun. Franchement, ce que vous verrez, ça risque de vous choquer. Hein. Mes frères, c'est nouveau pour vous en même temps. S'il vous plaît, soyez forts. Ou bien, soyez forts, mes frères, ça. Parce que ça, c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est, mes frères, ça? Même Yann Scribon est ici, il est étonné, parce qu'il n'a jamais vu ça. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? En plus, elle a mis des lignes rouges à lèvres. Waouh. Dans la précédente vidéo, mes frères et sœurs, nous avons présenté cette image sous forme de démons. Voilà, plusieurs démons en elle, c'est la miniature qu'elle a. Regardez, c'est comme ça, c'est une poupée. Et cette poupée-là, elle n'est pas du tout normale. Elle est diabolique. Elle est possédée même. Et regardez la fille qu'elle a. Elle ne sait même pas qu'il y a un truc pareil chez elle. Et regardez comment les gens vivent sans savoir que le diable et ce démon peuvent posséder les objets, les trucs de ce genre. Même les maquillages et tout pareil, même les trucs pareils même qui se trouvent même ici. C'est le vrai. Et dans cette vidéo, nous vous montrerons des choses qui ressemblent à ça. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Que voyez-vous, ma frère et soeur? Avez-vous vu quelque chose? Mais bien sûr que oui! Regardez ça! On nous dit ici, nous sommes vivantes. Nous sommes vivantes. Qui parle, mes frères et sœurs? Qui parle? Qui parle? Qui parle? Qui parle ici?
Ça m'étonne. Des poupées pareilles nous disent qu'elles sont vivantes. Comment devrais-je vous croire? Ou comment devons-nous vous croire? Qu'est-ce qui va nous montrer que vous êtes réellement vivante? Ou encore, qu'est-ce qui vous rend vivante? Si vous êtes censé être des simples poupées, vous n'avez pas de cœur ni de sang dans vos veines. Vous n'avez même pas de veines. Comment ça se fait, mes frères et sœurs? Quand on parle de sorcellerie, de magie, d'occultisme, tout ce qui est raisonnable n'est plus raisonnable. Et là-bas, on le dit toujours que tout est possible à celui qui croit. Même si tu ne veux pas croire. Bon, aujourd'hui, là, tu vas voir un truc qui va t'effrayer. Ça arrive de vous faire peur, mes frères et sœurs, ce que nous allons vous montrer maintenant. Nous préparons les éléments, le dispositif, mes frères et sœurs. Tout se prépare ici, soyez prêts. Nous allons vous montrer ce que vous devez voir. Regardez ça. Que voyez-vous à l'écran, mes frères et sœurs? À l'écran ici, on voit une fille. Elle est jolie. Et elle vient de recevoir un cadeau. Et on la filme. Pendant qu'ils sont en train de la filmer là, elle était en train de parler en même temps. Elle a dit, oh, c'est quelle poupée même on m'a envoyé même aujourd'hui là même. La poupée là aussi est vilaine, non? C'est ce qu'elle disait. Pendant qu'elle était en train de parler là, voici un truc étrange qui va se produire. Et c'est là où vous serez surpris. Peut-être que certaines personnes vont dire que c'est de la blague, c'est du fake, c'est ceci, c'est là, c'est comme ceci. Peut-être que c'est un montage. Mais ce qui est sûr, c'est que voici sa réaction. Regardez ça. Pendant qu'elle a été parlée et qu'elle dit que la poupée est vilaine, la poupée tourne la tête. La tête de la poupée tourne. Est-ce que vous avez vu? Regardez. Ouh! Tout de suite, elle a jeté la poupée. Mais regardez comment la tête de la poupée va tourner. Est-ce que vous voyez? La tête de la poupée va tourner. Revenons juste un peu en arrière, vous allez voir. Regardez bien la tête à la poupée. Regardez très bien. Voyez-vous? Oh, elle a jeté. Revenons juste un peu en arrière. C'était fou. On va juste zoomer cette partie-là. Voilà. On fait comme ça, on revient. J'espère que vous voyez. Voilà, là même si tu ne vois pas, tu vois. Regardez, ça tourne, sa tête tourne. Oh! On va se rapprocher juste un peu. Regardez encore. Regardez. Je veux que vous voyez nettement, clairement. Ne soyez pas surpris, vous serez même étonné parce que vous allez voir. Mais regardez ça, regardez bien. Regardez très bien. Ouh, elle a acheté même la poupée. Waouh! Avec une telle poupée, allez-vous vraiment toujours attraper cette poupée-là entre vos mains? Ça, c'est une histoire incroyable. Ici encore, nous allons voir une autre poupée qui va bouger. Regardez là. Regardez ici, là. Juste ici. On voit une autre poupée qui est là. Vous voyez, elle est là tranquillement. Regardez que celle-ci est en train de faire sa vidéo tranquille. Et vous allez voir, regardez ce qui va se passer. Cette poupée qui est là va faire un truc qui va même vous surprendre. Ça va tellement vous étonner. Elle va bouger le truc qui se trouve devant elle là. Vous serez même surpris. Regardez la poupée. La poupée va bouger. Va faire bouger ça. Là, l'image est là. Mais regardez juste ici. Regardez là-bas. Vous allez voir que quelque chose va se mettre à bouger. On va venir juste un peu. Elle va se rapprocher encore plus d'elle. Vous allez voir que un truc va bouger. Oh, elle a bougé. On voit que sa main même est en train de bouger. On voit que son bras est en train de bouger. Regardez là, on nous montre clairement que ça bouge. Effectivement, ça bouge. Regardez et on voit. Ici, voici un autre cas. Lui, il est tout simplement en train de se filmer. Je pense qu'il était en live. Il était carrément en live. Peut-être qu'il était en train de faire son live. Là, derrière lui ici, derrière lui là, sa petite poupée qu'elle a, elle va juste bouger le bras. Juste en arrière, en plein live. Regardez bien ça, ici. Il est en live. C'est-à-dire qu'il a été fait son live. La poupée est en train de bouger. Elle bouge le bras qui est ici. Elle bouge le bras. Regardez. C'est un peu fou. Mais ça bouge. Ici, on voit encore un autre truc qui est juste là, tranquille. Peut-être que vous avez l'habitude d'acheter des trucs pareils parce que vous dites que c'est joli, c'est extraordinaire. Mais ce qui est étrange, c'est que les démons possèdent des objets,
les statues, les poupées, tous ces genres de trucs bizarres là. Et ils sont chez vous juste pour entendre tout ce que vous dites et voir ce que vous faites. Et ici, voici un animal qui est juste en bas. C'est un chien. Lui, il est venu juste s'amuser pendant que de l'autre côté, on peut carrément voir un truc, un phénomène surnaturel se produire ici. On voit que la petite chose qu'elle a là est en train de bouger. Elle bouge. Elle ne fait que bouger. Mais qu'est-ce qui fait bouger cette chose au juste? C'est étrange. Voici encore d'autres phénomènes qui sont arrivés. Cette femme qui est là, elle a des poupées qui sont juste derrière elle. Et ces poupées qui sont là ne sont pas là pour rien. Ce sont ces poupées, elle les utilise, elle s'amuse avec. Mais ici, ces poupées qui sont là, pendant qu'elle est en train de faire sa vidéo, elle va constater que ces poupées vont bouger. Peut-être même elle ne le saura pas. Ce sont des gens qui ont peut-être vu la scène, qui vont voir qu'il y a la poupée qui est ici, va se mettre tout du coup à bouger. Regardez là. La poupée va se mettre tout de suite à bouger. Et c'est réel, regardez là. Ah, quelles sont ces poupées-là qui bougent toutes seules? Pourquoi bougent-elles toutes seules? Est-ce qu'il y a un mécanisme, il y a un système à l'intérieur qui les fait bouger? Peut-être que vous pouvez dire que, bon, peut-être qu'il y a un mécanisme, un système à l'intérieur qui les fait vraiment bouger. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce dessin, ce film que nous avons regardé, on a pas chiqué la poupée, c'est l'image même qu'elle a. Ici, les gens nous ont montré que les poupées peuvent vivre, peuvent être réelles, peuvent vraiment bouger parce qu'il y a des démons qui les possèdent. Il y a des démons qui les possèdent. Là, on peut voir que la poupée qu'elle a même des dents comme un enfant ou un humain. Comme vous pouvez le voir, c'est pas réel. C'est pas de la blague. Ça, c'est dans un film. On peut dire que okay, c'est monté, mais ce genre de choses peuvent être vraiment réel. Et quand ça devient réel, imaginez, selon vous, quelle serait la réaction des gens si un jour les gens découvraient que la poupée ou bien le nounours qu'ils ont acheté est en fait un truc qui est vivant. Quelle serait la réaction des gens? Pour vous amener à voir un peu ce que serait la réaction des gens, nous avons décidé de vous montrer cette vidéo qui va même venir après. Et vous allez être surpris. Vous nous direz dans la partie commentaire si vous avez des nounours pareils chez vous et que ces nounours ça bouge. Dites-nous, mes frères et sœurs, quelle serait votre réaction? Regardez ça. Que vous voyez l'écran? Ici, on voit une femme. Une femme. Elle vient d'arriver et elle est juste là à la maison. Elle vient d'entrer avec sa fille. Et pendant qu'elle vient d'entrer avec sa fille, voici que devant elle là-bas se trouve une poupée géante qui a des symptômes bizarres. Je ne sais pas exactement ce qui se trouve à l'intérieur, mais vous allez découvrir tout de suite. Vous allez découvrir, regardez ça. Là, elle est tranquillement en train de faire ses choses, tranquillement en train de se balader, elle bouge sur elle. Elle fait tout ce qu'elle a envie de faire. Voilà, pour l'instant tout est normal. On peut dire quoi? On peut dire qu'il n'y a rien, tout va bien. Mais vous allez voir un truc étrange. Vous avez vu quelque chose qui a commencé à bouger et même elle a bougé la tête pour juste voir. Regardez ça. Elle a vu un truc qui a bougé. Donc elle se rapproche de la chose pour pouvoir bien voir si c'est réel. Et là, ça devient chaud. Sa première réaction ou encore réflexion a été de prendre son enfant. Et elle a encore vu la poupée bouger. Quand elle a vu la poupée bouger une seconde fois, elle s'est dit que là, il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle soit possible pour se dépêcher pour ce qu'elle doit prendre. Vous connaissez les femmes, elles veulent forcément prendre le sac. Oh mon sac, ou rien, il y a mes choses dedans. Et elle s'est mise à courir. Regardez comment elle court. Regardez comment elle court. Vous allez voir, elle court, elle court. Oh! C'est pourquoi Dieu nous provient en même temps pour nous dire de fuir ces choses d'abord. Dieu te dit, il faut fuir ces choses de ce monde. Regarde comment tu dois fuir. Regarde. C'est comme ça que tu dois fuir. Regarde encore. C'est comme ça que les femmes doivent fuir les choses de ce monde. Tous, nous devons fuir les choses de ce monde. Parce que le diable et ses démons ont décidé de faire des œuvres. Et ces œuvres-là font se manifestent ainsi. Là, c'est un gars, un humain qui a décidé juste de faire un truc pareil, juste pour faire peur à sa fiancée.
C'est juste ça. Mais la réaction de sa fiancée nous montre combien de fois que tout combien de fois les hommes réellement, ils ont même peur même de ce genre de choses-là. Et regardez comment ils sont en train de fuir. Et ce genre de choses, vous avez vu, ça peut paraître bizarre, mais ça arrive. Regardez, elle a même du mal à y croire. Elle va revenir encore. Peut-être qu'elle se dit que ce sont des imaginations, mais elle a des hallucinations. Donc, elle va prendre un truc juste pour lancer sur le truc. Voilà, pour essayer de voir ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer là. Regardez bien. Regardez très bien. Elle lance. Ouh, là, elle est convaincue qu'il y a un mouvement. Il faut s'enfuir, il faut s'enfuir. Ah! Ouais. Vous voyez comment c'est, comment la vie est. Vous voyez comment c'est. Vous voyez, les choses du monde des ténèbres, c'est exactement comme ça que ça se présente. C'est exactement ça. Et pendant qu'elle était des filles, le démon qui est derrière là, il va sortir de cette grosse chose-là. Maintenant, ce démon-là va se mettre à sauter et rire de joie, vous allez voir. Ce gars-là joue le rôle de ce démon-là. Il a le démon. Le démon est content, le démon est content, le démon même va appeler ses camarades, il saute, le démon est content. Aïe, 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 le démon, il est content. Le démon danse, il danse, il danse, il danse. Aïe, 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 aïe. Le démon de danser, voilà elle a même déserté la maison. C'est exactement ça, mais vous voyez ça. C'est exactement ça. C'est juste pour illustrer ce que nous sommes en train de vous dire. Parfois, quand on parle aux gens, les gens pensent que c'est de la blague. Et que ce genre de choses ne sont pas réelles, c'est juste pour faire peur aux gens. C'est possible. Mais ce genre de choses sont réelles. Les statues qu'on trouve souvent dans les églises, là. Faites très attention. Un jour, on a vu une statue. Une statue qui pleurait même. Attendez, puisque nous sommes ici, hein, attendez, permettez-moi de faire cette recherche-là. Vous-même, vous devez faire la recherche. Hein. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire la recherche pour voir si nous pouvons vous montrer cette image, cette statue qui a pleuré, qu'on a vu là. Vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et activez la cloche. Si vous êtes déjà abonné, ne vous abonnez pas deux fois. Hein, abonnez deux fois. Maintenant, on voit cette statue qui pleurait là. J'espère que Dieu va nous aider à la trouver. Une statue qui pleurait, et quand la statue a commencé à pleurer, tout le monde est venu voir. Les gens sont venus voir. Là, nous faisons des recherches. Vous voyez que les éléments se mettent en position. Voilà. Tout le monde est venu voir. Tous les gens sont venus voir. Ah! En tout cas, la statue a été pleurée. La statue pleure. Et c'est étrange. Veuillez aussi à cliquer sur j'aime si ce n'est pas encore fait. Hein. C'est pas blague. Que ce j'aime pour que cette vidéo soit au top du top sur YouTube, c'est extraordinaire. Statue pleure. Ok, statue qui pleure. Ok. Bien, ce genre d'images où on voit des statues qui pleurent, il y en a plein. Je vais vous montrer des statues. Regardez des statues qui ont pleuré dans la vie réelle. Vous serez même choqué. Regardez cette statue ici. Cette statue, on la trouve dans l'église, dans une église. Vous connaissez sans doute. Mais ce que je sais, c'est que cette statue, elle était de pleurer. Et pas n'importe quoi. Hein. Cette statue a pleuré du sang. Cette statue a été de pleurer du sang. Et c'est du sang qui sort de ses yeux comme ça. Du sang. Vous voyez ça? C'est inquiétant. Comment une statue peut-elle pleurer? Comment est-ce que c'est possible même? Comment pouvons-nous nous imaginer que des trucs pareils peuvent se réaliser? Ça dépasse le commun du mortel. Hein? Ça dépasse carrément notre imagination. Elle est en train de pleurer carrément. Qui t'a frappé? Mais regardez. La plupart du temps, on nous dit que quand cette statue-là se met à pleurer ainsi, c'est qu'il y aura un événement malheureux qui va frapper le pays dans lequel elle se trouve. Ou un événement malheureux qui va frapper le monde. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas de la blague. Et de telles images, on en trouve très souvent.
ça commence à se multiplier, on dirait. Regardez ça. Waouh, c'est vraiment très 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 très, très mystérieux. C'est inquiète, ça m'inquiète. Et c'est vraiment réel. Regardez encore ça. Pourquoi ces statues-là pleurent-elles? Sont-elles vivantes? Ou c'est encore une marmaille du diable? Peut-être que c'est encore une marmaille de Lucifer Satan. C'est encore l'une de ses coupables juste pour amener les gens à adorer les statues. C'est encore peut-être sa marmaille. Hein. C'est probablement un truc pareil. Mais c'est pas faux, c'est réel. Et ces images-là sont de plus en plus nombreuses. On en voit vraiment. C'est choquant. Regardez même ici. Regardez ça. Vous voyez ça? Vraiment, c'est assez compliqué. C'est vraiment, 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 vraiment assez compliqué. Et ces genres de choses sont réelles. Ce que nous sommes en train de vous montrer, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Nous cherchons encore une autre image qui pourrait vraiment vous aider à voir, comprendre encore ces genres de choses. Et regardez encore une autre statue qui pleure. Cette statue pleure carrément. Ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai même du mal à y croire. Il y a des larmes sur son visage, hein, ça se voit. Même à distance, on veut même bien voir. Mes frères et sœurs, c'est ça la vie dans laquelle on est. Il y a des événements surnaturels. Et les gens ont décidé de s'attacher à des objets qui feront leur malheur plus tard. Oui, regardez. Les gens ont décidé de s'attacher à des objets qui feront même leur malheur plus tard. Car ils ont acheté un truc pareil très cher. Et ça va te créer des problèmes plus tard. Mais pour le moment, tu ne le sais pas. Et les gens voient ces choses-là comme les dieux. Pour eux, c'est les dieux. Ce que je suis, mes frères et sœurs, c'est que ces choses sont réelles. Et nous devons faire attention. Ah, je ne pensais même pas trouver autant d'images, de statues comme ça qui pleurent. Mais ça m'étonne. Regardez encore ici. Regardez ça. Ça devient sourire, ce truc-là. Vous voyez ça? C'est vraiment inquiétant. Très inquiétant. Maintenant, concernant ce que Dieu lui-même nous a dit par rapport aux statues, tout ça. Est-ce que Dieu nous demande de faire des statues? Jamais. Jamais. Ne faites pas des statues parce que les démons possèdent gravement et grandement les statues. Et ça, c'est pas de la blague. Statues pleurent, des larmes, tout le monde en parle. Voici encore une image choquante que vous allez voir. Vraiment, soyez fort. Regardez ça. Deux statues qui sont en train de pleurer. Et les gens sont pas bêtes. Aujourd'hui, tout le monde a des portables avec des caméras. On peut prendre toutes sortes de photos. Et c'est visible. Tout ça, c'est visible. C'est clair. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Apparemment, quand vous allez sur le marché, vous allez voir de ces statues-là carrément inoffensifs comme ça. Inoffensifs. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment surprenant. Et ce qui est sûr, c'est qu'un jour, nous avons montré une vidéo qui est vraiment étrangissime. Où nous avons vu carrément une statue qui était en train de danser. Vous allez voir tout de suite encore. Regardez ça. Est-ce que vous êtes prêts à venir aller voir ça tout de suite? Est-ce que vous voyez le camp? Voilà, regardez ça. Les gens, pour bien nous expliquer ce genre de choses, pour nous montrer qu'effectivement, les démons possèdent les objets ou encore possèdent des choses, ils nous ont fait une statue qui est en train de danser. Les gens, vous avez acheté cette statue pour posséder cette statue, peut-être que dans votre cour, dans votre maison. Et à un moment donné, regardez ce que cette statue a été de faire. Cette statue a été de danser, comme vous. Peut-être que cette statue a déjà vu danser. Donc cette statue a été de faire exactement, répondre vos pas de danse. Cette statue la danse comme vous, en fait. Voilà. Une statue qui danse. Cette vidéo est vraiment riche. Hein. Partagez-la pour que si j'aime, si ce n'est pas encore fait, pour qu'elle soit top du top sur YouTube, pour que plusieurs personnes puissent aussi la découvrir. Là. Et c'est exactement ça.
Vous avez vu ça? Ce genre de choses sont vraiment réelles. Quelle est maintenant la chose que vous avez le plus impressionné dans cette vidéo? Qu'est-ce que est la chose que vous avez le plus touché vraiment? Réagissez dans la partie commentaire et dites-moi tout. Dites-moi tout. Nous sommes là et nous recevons votre commentaire. S'il y a des commentaires qui nous font rire, on va cliquer si j'aime. Parce que moi, j'ai vraiment, c'est la première fois de ma vie, ou encore si il y a souvent, que je rigole en pleine vidéo comme ça. Parce que franchement, il y a certaines scènes qui m'ont même fait rire. Comme la scène où on voyait cette femme-là qui courait juste parce qu'elle a vu un truc pareil et elle a vu carrément le gamin que j'ai joué le rôle d'un démon sorti de la poupée. C'était son mari tout simplement qui faisait ça juste pour voir sa réaction. Que Dieu bénisse ses frères et sœurs. Prenez soin de vous, évitez tout ce qui peut vous mettre en danger. Et tout ce que peut vous mettre en danger, c'est ce que nous sommes en train de même citer ici. Mais ce n'est pas tout. Après cette vidéo, viendra une autre vidéo. Et cette vidéo va parler de tas de choses, c'est un témoignage puissant. Un homme qui a connu toutes les choses, toutes les choses du monde éternel, il va venir nous expliquer certaines choses qu'on ignore sur tous ces gens d'histoire. Même il ira au-delà de tout ce que nous sommes en train de découvrir ici. Ce que nous allons découvrir, mes frères et sœurs, ça va même vous étonner. Restez toujours connectés, abonnez-vous. Il est possible que vous ne recevez pas une notification sur cette vidéo. Mais ce qui est sûr, elle apparaîtra à la fin de cette vidéo, soit ici ou là, vous pouvez directement la regarder. Prenez soin de vous et que Dieu veille sur vous. Et vous-même, faites très attention. Faites ça! Wow! C'est extraordinaire! Regarde, ma voix était partie. Non, mais vous inquiétez pas. Ça va aller.